Franchement, c'est ça. Oui, oui, oui. Alors, on va faire un résumé. Bulbaba. Franchement, c'est ça. Et en prison, ce trou du cul s'est fait cramer, il a donné sa puce. Ils savent qu'il travaille avec Diego, il est cramé de chez cramé au gouvernement. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Du coup, moi, le gouvernement, il y a R avec eux. Mais je veux quand même trouver un moyen de truquer Bulbaba. C'est moi qui ai prévenu... en fait, c'est moi qui ai prévenu Diego pendant que Bulbaba était emprisonné, que Bulbaba s'est fait cramer par le gouv, parce que sinon... Diego se serait fait piéger. J'ai donné tous les numéros des mecs qui m'ont kidnappé, ils étaient 4, à 2 SDF, et il y a Boudzizi dedans. Et je crois qu'apparemment, ils ont trouvé c'est qui. C'est une dinguerie, sa mère. C'est des agents de Diego. Vous vous rappelez les mecs qui m'ont kidnappé la dernière fois? Et bah, je crois qu'ils ont trouvé c'est qui, sa grand-mère. Et en gros, j'avais pris tous les numéros, je les envoyais, j'aurais dit trouver c'est qui, et je crois qu'ils ont trouvé c'est qui. Les Autrichiens, oui, 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 oui. Et c'est une dinguerie, sa grand-mère. Les gars, je connais... Là, en fait, c'est une dinguerie parce que... Je connais pratiquement les identités cachées, les trucs cachés de quasiment toute la ville. Allô? Ah non! Arrête de rigoler, ça me rappelle hier, direct, là! Mais non, arrête, là. Oh! Je repense au tweet. Quoi? Ouais, bah moi aussi. Moi aussi. Eh, du coup. oh putain! Non. Ouais, il se passe quoi là? Il y a un truc à côté du PDP. Il se passe quoi après? Des barrages? Des barrages? Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un procès? Le procès de qui? De Arturo, je sais pas quoi, Carillo, là. Le oh putain, de... le chauve, le trou de balle, là. Ouais. mais ça va se passer comment pour... Berlusconi? Bah là, avec le tweet, mais je sais ce que tu vas me dire, je sais, sale bâtard. Avec le tweet et les messages, il est foutu, je sais, putain. En fait, je sais plus quoi faire pour lui. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois que t'es... Eh, il est foutu, les gars. Il y a écrit noir sur blanc que c'est il truque avec Diego. Il a fait un tweet en anonyme. Il s'est foiré. Toute la ville a vu qu'il travaille avec Diego. Eh, il est foutu, putain. Allô? Ouais, ça a coupé. Ouais, ça a coupé. Comme tu disais. Ouais. On parlait de... Ouais. De Bulbaba. Ouais, il est dans la merde, là, c'est ça. Ah ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire, hein. Il s'est lui-même mis dans la merde. Il y est bien resté, hein. Putain... Bah... Là, t'es où, là? Bah là, on est en salle de jugement, là, tous. Ok, vous êtes... Et... Y a quelqu'un pour l'aider, le pauvre? Il est jugé pour quoi? Berlusconi? Non, Diego... comment il s'appelle? Arturo. Il est jugé pour prise d'otage, complicité de terrorisme, port d'armes illégales... Je le connais, je peux peut-être faire un témoignage en sa faveur pour l'aider un peu, non? Bah ça, faut que tu vois avec son avocate. Ok, je peux rentrer. Bah, appelle déjà l'avocate. Mais c'est quoi son numéro? Bah, tu l'as, tu lui as envoyé un message, non? Ah, c'est le... Ah ouais, oui, ah ouais, ah ouais. Oui, la meuf que t'as voulu gérer et qui a baisé ouais, avec... c'est bon. Ok. C'est bon. Ok, vas-y, je l'appelle. Vas-y. Il a voulu gérer une avocate. Ça fait 2 mois en RP, il la gère. Il y a un ballas, il l'a baisé en 2 jours. Je suis mort. Ça baisse vraiment en RP. Ah bah si vous saviez les gars, il y a des mecs, ils attendent 6h du matin, qu'il n'y ait plus personne, plus de streamer, rien. Ils vont dans des coins sombres. Oh là 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 là. Monsieur. Attendez 2 secondes, je suis un témoin. J'appelle... Ah. Ouais, circulez s'il vous plaît. Oui, allô. Rien à voir. Bonjour, bonjour madame l'avocate. Et bonjour. Je suis un témoin pour monsieur Arturo. Quoi? Je suis un témoin, vous êtes l'avocate de Arturo, non? Ah, monsieur, restez de... Oui, vous êtes l'avocate d'Arturo. Non. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas d'Arturo? Mais y'a pas... Vous êtes pas au jugement, là? Comment? Vous êtes pas au jugement, là? Bah si, je suis au jugement, mais... Mais c'est qui? Comment il s'appelle, l'homme que vous... Mais là, défendez... je regarde juste le jugement, je n'interviens pas. Mais putain, mais il m'a dit que c'était vous. Ah non, pas du tout. Mais dites à l'avocate que je suis un témoin et que j'aimerais rentrer.
Je crois que les témoins sont pas autorisés. Ah, il est condamné, le Boug. Bah, je sais pas. Bonsoir, madame la vice-présidente. Et sinon, ça c'est pas... Ça va avec monsieur le procureur? Oui, oui, tout va bien. Vous êtes sûr? Oui, oui. Vous faites pas des trucs avec quelqu'un d'autre? Non, c'est ça. Mais je ne sors pas avec monsieur le procureur. Mais pourquoi? Il est un bon... Il est gentil, monsieur le procureur, Proust. Oui, il est très gentil, mais... Ah, vous préférez les hommes dangereux, virils, un peu qui... Monsieur, l'SDF? Bon, écoute-moi bien, Ghostbuster. Nique ta mère, tu vois pas, je suis au téléphone. Ouais, mais circule, qu'on va te dire, là. Oh, putain. Glek, il a dit... Nique ta mère. Ce que je peux faire, ma si maman, elle est gentille, ok, d'accord. Ok, tenez-moi, je... Oh. Eh, vous... allez faire en cul, on dirait que vous allez faire du paintball, là. Jure, t'as une voiture, toi. Oh, désolé. Ah, t'es bien mal... Ah, t'es tombé comme une petite chienne. Ouais, circule, ouais. Oh, les gars, mais je suis un témoin à charge, en fait. Je suis venu pour venir témoigner. Contre Arturo. Attends, t'es de quelle origine? Moi? Ouais. Pourquoi tu me demandes ça? Comme ça, si... est-ce que tu comprends un peu l'arabe? Ouais, ouais, vas-y, parle. Kouwad Aliya. Lot Kouwad Souata, mec. Attaï. Ouais, reculez, parce que... Khrab la l'enchifut khrab. J'ai pas dit. Non, c'est une insulte. Non, c'est pas une insulte. En gros, je lui ai dit. Je lui ai dit que sa famille. Si je lui ai demandé si tout allait bien dans sa famille. Ah. Wesh. Allô. Allô. Oui, alors. C'est qui au fait à l'appareil? C'est Sreud. Ah, le SDF. Oui. Ok. Bah Mike, c'est Sreud qui veut venir. Mais il m'a dit que je pouvais. Pourquoi c'est un témoin? T'es où là, Sreud? Je suis devant là. Mais les policiers, ils veulent pas me laisser entrer, okay, du coup j'attends. Ok, je vous attends, ma belle. Bon, bah, si le procureur il arrive pas à la gérer, moi je vais la gérer, ça y est. Eh, ça y est, il faut toutes les gérer, les femmes de ces villes. Elles demandent que ça. Mike, le procureur il attend trop là, il montre des livres, il parle de poésie, tout ça. Elles s'en foutent de ça, elles veulent des hommes solides. Comment on se retrouve? Monsieur, je peux avoir votre carnet aussi, monsieur. Attends, je peux avoir votre carnet. Regardez, le procureur est derrière vous, il m'attend. Attends. Restez avec lui. Oui, allô, monsieur le procureur, je suis le témoin. Ah, bah il est là. Attends, je suis un témoin. Il est derrière, attends. On va demander si t'as l'autorisation, je t'escorterai jusque là. Vas-y, tu vas m'escorter. Tel un homme des. Un peu comme ta. Non, monsieur, vous pouvez vous mettre là contre le mur, je vais vous fouiller pour vous laisser rentrer, vous prendre votre téléphone, d'accord? Prendre mon téléphone? Bah ok. Oui. Ton Nokia 3310. Bah attendez. Allez, mettez-vous contre. Bouge-toi, garantis, laisse-le se mettre contre le mur. Ah, s'il vous plaît, internet. Ok, je me mets contre le mur. Mettez vos masques, je vais commencer la fouille. Calmez-vous. Monsieur, vous êtes. Là, tu fouilles là ou tu trifouilles? Ouais, c'est ouais. Pas pareil, hein. Attendez, les gars. Fouillez aussi un petit peu, s'il vous plaît. Regardez un petit peu ce qu'il a. Lève les bras. C'est pas normal. Lève pas trop quand même. Attends, c'est pas normal ce qu'il a là. Gros, il a. Monsieur. Quoi? Quoi? Attends, quoi là, les petits, la petite drogue là? Vous avez jamais pris un petit truc pour vous détendre? Arrêtez de faire les innocents là. Je me suis peut-être. Y'a quoi dans mon inventaire, Yazo? C'est bon, tu as pris son téléphone? Ah, y'a magazine Playboy! Ah merde! Ah merde! Oh, le magazine, c'est pas moi! C'est pas moi! Cathy, t'as vu ou pas? Mais à quoi, wesh? Ouais, moi j'ai vu, ouais. Bah, gros. Ouais, bah, fais un appel radio et demande des instructions. Monsieur, vas-y, bougez pas. Mais à quoi? S4. Hello! Ouais, du coup, on va devoir tout confisquer. Monsieur, ouais, vous avez un PPA? Quoi? Ça va, PPA? Oh, quoi? Permis port d'armes.
Non, 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 j'ai rien, j'ai tout perdu, mais demande au... Ah, monsieur le procureur, j'ai tout, mais c'est juste que j'ai plus de papier, j'ai tout perdu, je suis SDF, vous savez, monsieur. Demandez à... Je vous jure, j'ai tout... Demandez à monsieur le procureur, il connaît tout de moi. Ouais, du coup, le couteau, je le confisque, d'accord. Mais quoi, mais coupe ma viande avec. Mais monsieur, monsieur, vous prenez pas un couteau comme ça pour aller dans le tribunal. Ah, je suis d'accord, mais vous me le rendez après. Bah, on va venir me trouver. Ouais. Non, mais là... Ça, je vous prends... Vous appelez comment? Agent 26. 26. Ok, 26, pas de soucis. Putain. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez circuler, monsieur. Est-ce que le jugement il est ouvert au public ou pas? Non. Négatif, monsieur. Ta mère, circuler, ta mère, elle est ouverte. Monsieur, s'il vous plaît. Il a dit quoi? Non, j'ai dit. Monsieur, allez-y. J'ai dit, je parle à cœur ouvert. On s'occupe de lui, monsieur. Vas-y, vas-y. Bah, je vais m'occuper de lui. Ah, pardon, désolé. Je vais m'occuper de lui aussi après, attendez. Mais comment ça, vous me confisquez le téléphone? Non, le téléphone après, monsieur. Mais wesh. Mais pourquoi on fait pas comme d'hab? Comme je vous donne mes affaires, on fait comme si. Je non, voilà. Ouais, mais là c'est chiant, je vais devoir vous courir après pour récupérer tout ça, putain. Par précaution, monsieur, parce qu'après, voilà. Ouais, mais c'est chiant. Donc vous demandez l'agent Baptiste et je vous rendrai tout comment ça. Comment ça, il a été autorisé. Oui, il a autorisé. Par qui? Par qui? Bah, par les supérieurs. Qui les supérieurs? Qui l'a dit? Faites place! Rendez dans la place! Et monsieur le procureur? Bonjour! Oh la classe! Oh le costume! Mais t'es en adéquation avec le carrelage! Wouah! Vas-y, rentre! Oh le flow de fou! Vas-y, viens! Oh la 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 la! Est-ce quoi ton nom de famille déjà? Hein? Est-ce quoi ton nom de famille déjà? Bah, Mike Underwood! Underwood? Si, si, tu joues à TFT! T'as déjà fait tout le monde! Ça va ou quoi, les gars? Ouais. Eh, Arturo! Mais comment ouais, mon gars! Je vais témoigner pour toi! Je vais te défendre. Vas-y, oh le Hedge, il fait quoi ici? Hein, vous l'avez autorisé, 99? Oui, autorisé, non, tu veux quoi? Tu as mon carnet de correspondance aussi, enculé? Je vais témoigner, c'est tout. Arrête de faire le fou, le Hedge. Écoute, que Kra, tu vas te calmer. Oh, 6-9, mon cadre respecteur. Voilà, mon cadre respecteur. Oh non, la crevarde. Alvarez, la plus grosse crevarde de la ville. Tu t'es lavé aujourd'hui? Je pense pas. Quoi? Écoute, j'aime pas l'eau, c'est pas ton problème. Tu t'es lavé, commissariat. Quoi? Mais toi, toi, mais il manque des chicots. Oh, ça va pas commencer. Hey, j'ai une question, les gars. C'est vrai, Alvarez, elle tourne au comico. Ouais. Hier, elle est passée dans les cellules. Et. T'inquiète. T'es sûr, hein? Boulbaba et moi, on s'en est occupés. On va appeler. Je crois 99, je crois qu'on va appeler. 17, hein, le capitaine, hein, je crois, son fiancé. C'est pas mal, hein. Quoi le mot, bon, comme ça quoi, commence quand ça commence quand ton petit jugement. Ça fait une demi-heure, j'attends, là. Ça a pas commencé encore, les collègues? Non, pas encore. Putain. J'espère que vous avez pris votre soirée, hein. Comment ça? Mais ça va pas durer toute la soirée. On avait une guerre de prévu normalement. Alvarez, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont dit que tu tournais dans les vestiaires du LSPD, c'est vrai? Mais t'es malade ou quoi? Tellement vulgaire. Mais c'est faux. Non, c'est faux. Excusez-moi, ah, okay. Désolé, je sais pas, c'est eux qui font tourner. C'est une accusation très mauvaise. 9, t'as quel âge, Alvarez? Il y a la vice-présidente qui vous cherche. Ok, t'es sur la défensive, j'aime bien les femmes sur la défensive. Oh, Alvarez, t'aimes le caca? Non. Ok. T'aimes bien ça, je trouve le bizarre. Bah, on est juge, je crois. On attend les autres pour amener le juge à l'intérieur. Le juge est à l'intérieur, il va te... Comment allez-vous, madame la vice-présidente? Comment vous allez, madame la vice-présidente? Je voulais vous dire que vous avez la même tenue que... Arthur, reste le barreau, Arthur, t'es pas... Toujours enceinte, madame la vice-présidente? Ah, toujours 4 mois et demi, hein? 4 mois et demi? Ça pousse? C'est une fille ou un garçon? Ah, un garçon. Vous allez l'appeler comment? Appelez-le Shrud! 2 minutes. Non. S'il vous plaît, Shrud! J'ai pas le droit de dire le prénom qu'on a sur lequel on... Allez, la première lettre au moins, la première lettre. Je la connais, la première lettre. Ouais. Ah bon, c'est ça? Je peux pas dire. La première lettre, allez, s'il vous plaît, on devine. Vas-y, dis, vas-y. C'est un R. R? Ryan. Ryan, c'est sûr, c'est ça. Rooney! Non. Ah, je vous dirai pas, même si Robert, vous trouvez, Robert. Je préfère le dire d'avance, même si vous trouvez. Ralouf. Bon. Eh, on est là pour trouver le... Bon, allez, ça commence en 2020. Ah non, non, désolé. Vous abusez, monsieur. Putain, on a l'air vexé, putain. Il va s'appeler Roule Baba. Ah, tu l'avais. Non, tout fait pas ça. Putain, mais pourquoi y'a pas plus souvent des jugements comme ça? Y'a une bonne ambiance. J'ai entendu. Débute en 2 minutes. Bah, vous savez quoi, monsieur? Faites un acte de terrorisme, après on vous juge.
Non, je vais pas faire un acte de terrorisme, taper un plomb. Non, mais déjà, l'odeur, c'est du terrorisme. Eh, vous avez pas un peu d'argent pour une association? Ah, oui, un silence bizarre, bande de crevards. C'est impressionnant. Merci. Je t'en prie. Tiens, prends ça. Et merci, on crache et donne-moi là-dessus, par contre, s'il te plaît, parce que là, on donne de l'argent. Oui, ok, capitaine Larky. C'est sergent. Je vais passer Elias de 1500 balles, comme ça, il arrête de nous emmerder. Mais oui, mais t'es riche, vas-y, donne-moi de l'argent aussi, 1500. Bah, c'est un civil qui m'a donné. Mais là, je commence à récupérer trop de sous, là. Ouais, il a dit, tiens, donnez-lui en dédommagement. Il m'a dit, donnez-lui en dédommagement. Ah, corruption, ah oui, putain, y'a qui, là? 93. Sauf que je l'ai jamais revu, mec. Tiens, tu prends ça. Ah, c'est la M4 que tu vas me donner? Oui, d'accord, prends-le. Et tu vas me le faire se changer là. les gars, s'il vous plaît, y'a pas quelqu'un qui a à boire. Il est déjà prévenu, allez, pas vous là. Allez, vous allez à deux. Quelqu'un aura à boire, s'il vous plaît. Il y a une salle là-bas. Cario, vous voulez faire un deux. Quelqu'un à boire, je vais m'évanouir. Ah. Tiens. Merci. Oh, s'il te plaît. Coca bien frais, chacal. Merci, mon pote, tu t'appelles comment? Zeroit, Marcus. Marcus, comment? Il est en train de se changer, elle. Marcus Luttrel, lieutenant Zeroit. Il est en train de se changer, il a pas juste à droite, il arrive. Pourquoi il est là, lui? D'avoir commis une prise d'otage. D'avoir utilisé, donc, dans le cadre de cette prise d'otage, son arme sans avoir passé son PPA au préalable. Donc, par conséquent, d'avoir coopéré avec son chef qui s'appelle Gustavo Baltazar. Votre honneur, vous me permettrez, je ne vais pas, on va dire, présenter le personnage de monsieur Gustavo Baltazar. Je pense que vous le connaissez déjà. Moi, j'ai lu des rapports. Là. Absolument. Donc, vous conviendrez que la charge de complicité de terrorisme, étant donné qu'ils étaient ensemble avec... Wow. Oula. Bien. Très bien. D'accord. Je vais continuer. Il s'est fait kick. Vous conviendrez que la charge de complicité de terrorisme est pleinement justifiée, étant donné que monsieur Arturo Carrillo était avec monsieur Gustavo Baltazar, et par conséquent, on n'a pas besoin de présenter le personnage de Gustavo Baltazar. Dans ce cas-là, ce qui s'est passé ce soir-là... Je vais témoigner en balle. Des agents de police en pleine mission ont été pris en otage par monsieur Arturo Carrillo et ses compères. Il y avait parmi eux trois agents du SWAT. Monsieur Cario et ses compères n'ont pas voulu négocier avec le LSPD et ont tout fait pour que les négociations échouent dans le simple but de terroriser la population et encore plus la police. Votre honneur, vous conviendrez, s'il vous plaît, qu'on parle ici. Je vais le défendre, je vais le défendre. Je vais défendre Arturo. Je vais le mettre bien. Ils sont là pour faire rétablir l'ordre et la justice. Toi, il faut que j'envoie. Ah, j'ai pas de téléphone, c'est bon. Merci beaucoup. Je souhaiterais témoigner. Je peux parler, monsieur l'agent? La parole est à vous. La main est à vous, monsieur Carlo. Ok. Donc, hola todos, je me présente. Je m'appelle Arturo Carrillo. Et aujourd'hui, je suis victime dans cette histoire. Tout ce que le monsieur avec son costume vient de dénoncer est totalement faux. Je ne vois pas de quelle prise d'otage parle-t-il, et non plus de la date à laquelle celle-ci s'est effectuée. Objection, votre honneur, on a eu... terminé, monsieur Carillo. De plus, j'aimerais savoir à quel moment de ma vie j'ai été aperçu auprès de monsieur Baltazar Gustavo. En même temps, de faire des actions illégales. C'est quoi tout ça? Contraire à la justice. Mais il y a toute la justice dans le tribunal. Je comprends donc pas mes chefs d'inculpation qui sont complicité du terrorisme, puisque la personne que vous voulez attraper aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais Baltazar. Vous essayez d'attraper un innocent pour faire plonger une grosse tête, et c'est pas comme ça que ça marchera. Merci, 50. Monsieur le juge, j'aimerais donner la parole à Srud et ensuite si oh merde, je savais pas comment le défendre. Pour favor. Monsieur Srud est demandé là-bas. Bonjour, je suis témoin. Oh, je sais même pas quoi. Monsieur Srud, jurez-vous de parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité, rien que la vérité? Juste une petite parenthèse. Il a pas un avocat, monsieur Carillon? Et j'ai pas besoin d'avocat, je suis mon propre avocat. D'accord, pardon. Je sais la cour pas permet à monsieur Carrillo d'être son propre avocat. Oh, ça va, merde. Bah, oh, pardon. Oui, du coup, la vérité en balle. Alors,
Monsieur Cario, c'est un homme respectable et respectueux. Vous savez, dans la vie, chaque homme fait des conneries. Mais il est très droit. Beaucoup de choses qu'on lui attribue sont fausses. Je vous le dis. C'est quelqu'un de vraiment très droit. Il s'occupe des jeunes, des pauvres. Il a fait des dons pour mon association de pauvres. Bon, c'est vrai, des fois, il donne de la cocaïne, de la drogue, il a des armes. Mais qui ne fait pas ça de nos jours? Tout le monde a besoin d'un peu d'argent, hein, Cario? T'aimes bien la drogue? Mais c'est rien, on s'en fout. Du coup, c'est quelqu'un de bien. Je vous jure, il se casse tellement la tête pour aider les gens. Il a plus de cheveux. Regardez son crâne. Ça, c'est à force de nous aider. Il a aidé tous les SDF de la ville. Il aide tout le monde. Vous êtes un peu dur avec lui. Il se retrouve souvent dans des bourbiers, mais c'est pas vraiment de sa faute. C'est juste qu'il a un mauvais tempérament. Je pense qu'il faut lui laisser une chance. C'est un homme bon. Oui, c'est vrai, il aime tirer sur des gens, tuer des gens et prendre de la drogue. Quoi ? Qui n'aime pas faire ça ? Mais non, mais ça, c'est normal. Ah. Eh oui. Sale fils de pute. Mais quoi ? Mais non, mais c'est quelqu'un de bien. Mais je te connais, mais on se connaît, Cario. Bref. Non, mais si c'est normal. Mais c'est quelqu'un de bien. C'est au fond, c'est vraiment quelqu'un de bien. Je vous jure, il a un bon cœur. Il a, regardez-le, le pauvre. Il est pas bien. Il a pas l'habitude d'être comme ça. Et oubliez pas qu'il a une femme et des enfants. Il faut prendre ça en compte. En plus, il est gentil parce que sa femme, il la partage aussi. Il la partage à tout le monde. Sa femme, il est vraiment généreux, ce type-là. Wow, c'est une pute. Ben oui. Et sa mère aussi. Il partage les femmes de sa famille. Il les partage avec tout le monde. Sa mère, je l'ai détruite, Cario, je l'ai détruite, je vous le dis. Pour les... J'ai détruit sa mère pour les pauvres. Il a détruit ma mère. Il a vu que j'étais pauvre, il m'a donné sa mère et je l'ai détruit. Vraiment, ce jeune homme-là a peut-être un mauvais tempérament, mais il a un grand cœur. Faites-moi confiance, j'ai l'œil pour ce genre de choses. Monsieur le juge, vous avez un très beau col roulé. Je sais que vous avez un grand cœur aussi. Et je compte sur vous pour ne pas être trop dur. Voilà, merci à tous. Ok, j'aimerais parler. Est-il possible de faire un test d'alcoolémie à Sorud, pour voir? Non, non, j'ai pas. Pour voir si ses paroles peuvent vraiment être prises en compte ou pas. Négatif, monsieur Carillo. D'accord. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce que 50 a dit tout à l'heure. Je peux récupérer mes affaires. Arrestation, je dois sortir. J'ai été coopératif. À aucun moment j'ai braqué les deux. Je sais pas, c'est 26 ou 25, je sais pas quoi qu'après. Et je leur demandais de sortir du véhicule calmement. Dès que la guardia est arrivée, j'ai pas cherché à aller plus loin. Quoi ? J'ai directement levé les mains. J'aurais pu m'enfuir avec les personnes qui étaient dans la voiture, puisque la guardia était à la porte au corps. Agent 26. Mais j'ai préféré être coopératif. Il m'a tout pris, ça a abusé. Pour écoper. Il aurait pu faire comme d'hab, je lui donne les trucs comme. Voilà, t'as capté. Oui, bien sûr. Mais là, je savais, j'allais devoir rechercher les trucs, ça allait être chiant. Putain. Ah bah, je crois qu'il est là. Bah, 26, t'es là? Non. Est-ce qu'un agent 26 est là? 26. Agent 26. Il m'a pris toutes mes affaires. Attendez. Ok. 57 pour 26, tu peux venir à l'entrée s'il te plaît? C'est pour redonner les affaires, monsieur. Monsieur, est-ce que je pourrais, avant de vous redonner votre arme, votre PPA s'il vous plaît? Monsieur, c'est monsieur procureur qui l'a demandé lui. Bah, j'attends monsieur le procureur et puis. Mais c'est pas possible, j'en peux plus, attendez, je l'appelle. Ah mais j'ai pas mon téléphone. Ah, attendez, je vous le rends. Il est là-bas, il est au tribunal. Tenez, je vous le rends, attendez. Oh là là, mais monsieur. Moi je pense qu'il faut le croire. Hein. Mais non, mais allez voir monsieur le procureur, vraiment je vous jure que j'ai plus de papier, je suis SDF, j'ai tout perdu. J'ai même plus de carte d'identité, j'ai rien, je vais te mettre une main au cul. Vous savez me redonner un téléphone s'il vous plaît. Putain. Moi je pense que monsieur dit la vérité, j'ai l'œil pour ça. C'est vrai, t'as l'œil. Ouais, mais j'ai l'œil. Ouais. C'est vrai, il a l'œil. C'est vrai, je viens de voir, il a l'œil là. Il a l'œil. Ouais. Voilà, exactement. Quoi ? Donnez-moi le deuxième téléphone, monsieur. Je vais mettre le deuxième sans. Qui m'a donné deux téléphones ? C'est. Moi, devant vous. Toi ? Avec la casquette, ouais. Ok, tiens. Putain, mais oui, mais là, on n'est pas. Mais là, c'est pas possible, là, putain. Mais là, j'ai juste envie de partir, là, putain, je vais serrer, là. Là putain, mais là, tu sais, je vais juste récupérer mes affaires là, putain, ça, putain, je suis honnête, j'étais gentil avec vous. Là, je comprends pas pourquoi vous êtes comme ça avec moi là, putain. Allez, je vais faire un effort, là, je comprends pas. Mais non, mais arrêtez, s'il vous plaît, vas-y. PPA, vas-y, rends-moi mes affaires, pourquoi tu te tiens, vas-y, s'il te plaît, allez. Allez, vas-y, fais pas de chien. Vas-y, rends-moi mes affaires, pourquoi tu veux. Allez, vas-y, s'il te plaît, allez. Vas-y, tu sais, je vais pas attendre, mais pourquoi tu fais ça. Mais non, mais là, je peux plus, je t'ai plus en place, putain, je récupère mes affaires là, j'ai rendez-vous, je récupère de l'argent, putain. C'est pire. Mais là, je vais craquer, mais non, mais là, arrêtez de crier, mais non, mais si on me demande une question. Mais là,
Mais non, mais je crée pas, je prends juste. Les gars, s'il vous plaît. Non, mais là. Bah, oh, oh la forêt, elle est passée. Monsieur, taisez-vous parce que si on a confirmation à la radio, on n'entendra pas. Ouais, c'est vrai, mais bon, putain. Ah, ça va, toi, tu vas bien, ouais, ça me dit bien. Moi, j'ai jamais acheté mes affaires, j'arrive pas à occuper mes affaires, ils veulent pas. Parce que je sais pas, PA, mais le PPA, il sait que le procureur, je l'ai. Mais ouais, là, je suis fâché, là, putain, j'en ai marre. Je suis fâché, là. Putain, putain, mais c'est qui lui? Putain, il casse les couilles, moi, je suis pas procureur. Le procureur, il est où? Il vient ou pas? Il est dehors, à l'intérieur. Mais oui, mais faut l'appeler, putain. Je vais juste récupérer. Il est occupé, il est occupé, il est occupé. Mais je vais juste récupérer mes affaires, j'ai un rendez-vous, je vais pas rester ici toute la journée. Bon, je vais y aller, je vais foutre le bordel. Non. Non, Shred, Shred, s'il te plaît. Shred. Arrêtez-vous. Mais... Monsieur le procureur, vous pouvez dire à l'homme devant qui me rend mes affaires, s'il vous plaît. Désolé du dérangement. Sortez, sortez, sortez. Monsieur, allez, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, il veut pas me rendre mes affaires. Sortez deux fois. Bah, on va, ils vont vous les donner dehors. Excuse-moi, ça compte pour les mots que je... Putain, mais je peux pas lui répondre là, il y a des queues, frère. C'est bon, il vous a parlé normalement, monsieur le procureur, là, c'est bon. C'est pas moi qui l'ai été voir. Putain, mais t'es sous stup ou quoi, toi? Tu parles à deux à l'heure, bordel. Ouais, c'est non, bon. Non, on ne circule pas, attendez 30 secondes, monsieur. Merci, merci, c'est bon. Là, vous avez vu, il a bien prouvé les... Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est bon, là, c'est bon, vous avez bien entendu, là, vous avez vu, là? Non, vous avez entendu, là, il a dit, vous pouvez me rendre, c'est bon, vous voyez que je suis un citoyen, c'est bon, là. Bon, tenez, attendez. Merci, monsieur, merci, merci pour la compréhension. Voilà. Bon, allez, je vous escorte. Ça va, radio, là, pour tout le monde. Merci. Bah, wow, c'est tout beau ici. Mais moi sans autorisation. Oh. Cible. Ouais, frérot. Après, un agent du Gouv là, il y avait une voiture du Gouv. Ouais, tu m'entends? Ouais, alors. Ouais, j'ai des choses à dire, et mais là, il y a les verts qui t'attendent là, au PC. Pourquoi il y a les verts qui m'attendent? Ils m'ont dit qu'ils ont des choses à donner. Ok, j'arrive. Voilà. Et je suis au PC dans tous les cas, vas-y. T'es sûr que c'est pas un piège encore, ça? Je sais pas vraiment. Je sais pas. Mais bizarre en tout cas. Ok, j'arrive. Non, j'ai pas de temps. Vas-y, vas-y. Ah, bah, il est là, ça. Le pardon. Ouais. Lui c'est celui que vous m'avez demandé de venir, de le ramener là. Yo yo yo, ouais. Faut que tu grimpes là, il faut que tu viennes au... Ok, est-ce que tu peux m'attendre deux secondes, je parle avec mon ami dans le coin et je te rejoins. C'est quoi ton number? 99-23. Bien vu, lourd. Vas-y, attends juste, je vais dans le coin, je parle avec mon pote. Ouais, tu voulais me dire quelque chose? Ouais, ouais. Attends, ouais, ok. Dis-moi. Tu m'entends bien là? Ouais, je t'attends. Ouais, du coup, je te disais, j'ai plusieurs informations. Déjà, les numéros que tu nous avais demandé, bah, Eddie les a trouvés pour la plupart, tu vois. C'est qui? C'est un mec qui s'appelle... Il y a un mec qui s'appelle Albama, travaille au taxi. Un mec qui s'appelle Vintores Medusa, je crois. Quoi? Attends. Quoi? Attends, quoi? Attends. Il est en... Ouais, j'attends. Mais j'ai pas tous les noms, honnêtement, ça veut dire que les... Oh, la dinguerie, il a trouvé tous les noms. Ouais, et c'est qui l'autre? Bah y'a, je t'ai dit, Mendoza, Albama, et le dernier, je sais, faut que tu demandes à Eddie. Parce que le dernier, il a trouvé tout seul. Bah, attends. Et attends. Allô? Ouais. 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 Y'a moyen, on se voit? Ouais, je suis déjà avec ton pote, il va venir me ramener, là. Ah, ok, t'es avec qui, Junior? Je sais pas, non, un autre mec. Ok, vas-y. Vas-y. Vas-y, et bah... Je vais regarder, mais ils sont quoi? Ils sont taxi et l'autre il est quoi? Taxi, l'autre il. Policier? Il est en mode. Je crois qu'il est bike. Ouais, policier, ouais, il est keuf, ouais, il travaille les speedos. Oh là là. Et le dernier, je sais pas. Mais vraiment, moi j'avais une information que j'avais trouvée avec Jonathan, là, Doris. C'est quoi? Tu vois là, Effie Cooper là, qu'on cherchait. Ouais. Et bah, elle est protégée par les Autrichiens, ce qui. Quoi? T'inquiète, Jay. Ils m'ont dit qu'elle était protégée par les Autrichiens et que... Attends, mais elle m'a donné un rendez-vous, elle veut me voir. Bah, bizarre ça. Je retourne au fourneau et... Parce que... Oh, je sais pourquoi elle va arrêter de crier là. Parce qu'en plus, il m'a dit ouais, en mode... Askip voulait la péter à Effie, mais il la protège juste pour la tuer.
Oh putain, bon vas-y, on... quand il y a bout de zizi, on se recapte avec ça. Vas-y, mon pote. Bon. Vas-y, carré. Yo, vas-y. Allez, mon pote. Putain, ton cul bombé là. Fais pas attention, y'a de la graisse qui dégouline, mais ça, c'est rien, t'as vu. Mais comment mais ça te colle pas trop à moi, tu pulses qu'un fils. Putain, ta gueule, déjà, je te suis. Fils de pute, mets ma capuche pour pas que je reçoive tes micros. Mmh. Arrête. Ah, je suis pas bien là. Pas attends, t'inquiète, on va vite arriver. Oh. Fais pas de conneries, fils de pute. Arrête sur des trucs, enculé. Nique t'es mort. Fils de... oh. Fais pas ça sur ma moto, t'es fou. Qu'est-ce que. Yo, what's up? Plus jamais. Yo, ça, what's up? Ça me... T'as dit quoi? Yo, what's up, pilot? Ça va? Oh, what's up? What's up? Ouais, ça marche aussi. Vas-y, viens. Vas-y. Ça dit quoi là? Mais pourquoi t'es devenu blanc? T'étais pas un Renault à la base? Y'a un fils de chien qui a froissé ma veste et du coup je lui ai donné, il m'emmène au pressing. Non, mais ta peau aussi, t'étais pas un Renault? Non, mais ça, c'est à force de dormir dehors, tu vois, donc tu vois de la attends, merde. Attends. Ah, je crois que tu vois. T'as chopé une conjonctivite. Ok, possible. Vas-y, je te suis. Mais c'est alors, Freud, t'as pas l'impression que tu nous dois quelque chose là hein? Attends, ouais, tu m'avais donné combien 40 000 déjà. Quoi? Non, 50 000. Ah oui, 50. Écoute. Oh non, mais pas ce teint, c'est Ebola vivant, yo. Voilà. Pourquoi vous ramenez ce calvicieux tout le temps? Alors attends, je compte. Quel calvicie, avec la merde sur la tête. Ta. Il manque des sous. Mais non, c'était ça qu'on s'était dit, arrête. Tu m'as filé combien là? Y'a quoi là-dedans? C'est là-dedans que tout se passe. $30,000. Il y a 30 000, mais on avait dit 80%. Ouais. Bah, n'importe quoi, toi. On avait dit 80. Personne n'a remarqué que j'étais tout nu là tout à l'heure. Mais qui est pas nu? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Bon, attends, laisse-moi sortir ma calculatrice. 50 000 fois 0,8. Si, je suis tout nu. Moi, j'ai bien remarqué. Ça fait 40 000, il manque 10 cas, Rud. Mais non, on avait dit 70. Family's gang. Yo, Juju, attends, je sors ma calculatrice. Bon, ok, tu sais quoi? Regarde, vas-y, 80. J'ai une calculatrice. Pas de soucis. Voir, mais la prochaine fois, tu devrais être généreux, toi. Bon. Casse-toi, moi, je suis pas dans ça. Ouais. Les gars, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Tiens. Mais c'est quoi ça? Pourquoi tu me donnes ça? Tiens, Bob. Ça, c'est ta part parce que l'autre jour, t'as appelé Balthazar. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, mais. Mais l'effort. Voilà, mais t'as vu l'effort. Mais ouais, mais c'est vous avez merdé, vous êtes incompétent. Non, c'est lui, non, il a un flair 3 affûté. Ah, tu penses? Calme ton front cabossé. Mais il a souvent un flair 3 affûté, t'as remarqué? Je vais te ah finir. Bon? Ouais. Tout le temps, il a le flair. Il a trop un flair 3 affûté, lui, c'est abusé. Yo, tu sais ce qu'on dit, c'est les chiens qui ont le meilleur flair. Sérieux? Ouais. Ta petite mère, la chienne. C'est glissé trop bien. Attends, dit quoi? Non, je me suis trompé. Yo, chopez-le, Yo. Eh ouais, le véhicule est fermé. Mais comment ça vous avez le... Oh, comment ça vous avez la clé d'un truc comme ça? C'est mon véhicule Mario Kart. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Loser. Tu crois que je fais comment sur le circuit Todd? C'est quoi cette voix? Vous l'avez vraiment accepté dans votre gang avec cette voix? Quoi? Un plan pour toi. Un plan quoi? C'est quoi ta relation avec les agents du gouvernement? Bah j'ai une association pour les pauvres, du coup ils mettent de ouf. Oui. Yo Trix, t'en penses quoi si on pose ce gars sur le transfert dont on a parlé tout à l'heure? Vas-y. Quel transfert? Non, ah moi s'il y a de l'argent, je suis prêt à lui, tout vous aider. Je demande pas, il échange des canettes vides hein, mais en vrai si on l'habille bien, ça peut le faire. Hein. Les gars, je vous jure, je suis prêt à vous aider, s'il y a de l'argent au jeu, je suis prêt à tout. Moi, faut juste me payer. Déjà, mets du déo, tu sens le vestiaire des U12. Écoute ta gueule, Kofi Kingston. Eh, les gars, je suis prêt à tout, je vous jure. Attends, j'ai une vraie question, par contre. Ta barbe crépue, là. Qu'est-ce que t'as gagné, Sred? J'ai rien gagné, moi, j'ai de l'époque, c'est tout. J'appelle à Django. C'est qui, ça, à Django? C'est un journaliste et c'est lui qui m'a mis sur... Yo, ferme ta gueule, Radion, t'as pas demandé ton Wikipédia, fils de pute. Oula. Moi je suis plus Airtruff dans la WWE. Non, toi ta gueule. Moi je suis plus Edge. Edge? Ah non, moi pas trop mon truc. Triple Edge par contre, il chante mal avec Sin Cara, vous êtes pas... Mais vas-y toi, vas-y. Qu'est-ce qu'il raconte là? Une grosse fraude de Rey Mysterio, loser. Mais frère, qu'est-ce que tu racontes? Il lui baisait sa mère. Mais gros, Mysterio c'est le vrai masqué. Edge et Batista.
Ouais. Oh, bah dis ça, il s'est fait niquer sa mère par John Cena. T'es con ou quoi? J'ai écouté pas de carrière. Putain. Yo, mon baggy, il est vraiment balèze. Oula, c'est quoi cette photo? C'est toi, t'es balèze. Du coup, les gars, voilà. C'est comment? Quoi, c'est yo, comment? Yo, yo, attends. T'inquiète, on va te mettre sur une opération. On va te mettre sur une opération, ça peut te rapporter gros. Tu vas gagner un peu d'argent. Deuxième photo maximum, hein, tu ne mets pas sur nous. Ton front décapotable là, putain. Mais laisse mon front tranquille. Il y a mon copain Arturo qui part en cellule, je vais l'aider. Ouais, j'ai témoigné pour lui, je l'ai aidé. Ah ouais? Ouais, je suis parti au gouvernement, j'ai témoigné pour lui. C'est votre pote et vous témoignez même pas pour le sortir de là. Yo, s'il va en prison, c'est pas notre pote, Joe Arturo. Bon, allez, ciao. Non, mais dis que c'est l'enculé sur le passé. Il me rend fou. Dis donc, il fait ça avec son téléphone. Il a même pas d'enceinte, il a mis son téléphone. Ah non, il a vraiment pas de travail. Oh, il bloque le téléphone dans sa bouche. Oh non. Moi, je sais qui a rigolé comme ça. Il s'est pris une table. Il y a un mec qui a rigolé, il a fait. C'est moi, j'ai mouché dans la bouche. T'es bizarre, mon pote. Oh là, bizarre le gang un peu. Ouais les gars, c'est pour ça que ça vous prend pas au sérieux. Mais tu casses les couilles. Vas-y grimpe, Srot, grimpe, Trix, grimpe. T'es Nox collé là, vas-y. Attends, je grimpe. Grimpe pas, poteau. Yo, je reviens dans 45-30 minutes. Attends, je vais à l'école. Avec ta petite tenue et tes bretelles, hein. Ouais. Yo, c'était pour passer au goût, espèce de con, bah. Voilà, sale con. Yo, parle-moi mieux ou je te mets une heure de colle, t'as compris? Bon, on va réviser tes partiels là. Attends, mais Junior, t'es blanc, yo. Ouais, y'a une grosse daronne, elle est tombée par terre. C'est un dodan. Mais on va où là putain? Hey, on va où? Yo, en gros je vais t'expliquer, je vais te poser sur un endroit. Et non, là je vais juste te montrer les lieux, tu capes. Mais quand je te dirai d'y aller, t'auras un colis à réceptionner. Et je te paierai pour ça. Okay. Ma bite c'est un traquenard ça. T'as compris? Ah ouais? Ouais, notorious Biggie, on parle. T'es payé non? Et pourquoi moi? Parce que t'es un SDF, alors personne va se douter que t'es mêlé au truc. Genre par exemple si j'envoie un gars en costard récupérer le colis tu vois et il se fait choper, les cops c'est vous dire qu'ils savaient il y avait quoi à l'intérieur du colis. Alors que toi si tu dis que tu savais pas et qu'on t'a payé juste pour le récupérer, ils vont te croire. Ouais, tu vois. En plus c'est crédible pour c'est un pas clochard. Ouais vas-y continue droit. Ça sent la merde ça, je vais me faire baiser là. Yo les mecs j'ai mangé un gratin dauphinois, c'est trop bon. Ouais. C'est qui ton ami en danger? Ouais oh, c'est un ami à moi là, je dois l'aider, il a des galères. Mais attends, mais on va où là, Arturo. Putain? T'inquiète. Qu'est-ce qu'ils me font là? Yo, tu sais que si jamais t'as besoin, nous on peut te fournir main propre. Enfin, mais la dernière fois, vous m'avez menacé. Non. Yo, t'es sérieux? Regarde, je t'offre du business, je te paye. Ouais, mais on verra si ça se passe bien, et bah je saurais que je pourrais vous faire confiance. Yo, c'est quelque part vers. C'est à gauche là. Je le sens mal là. Ici là, ouais. Le transfert aura lieu ici, ok? Ok, je mets un point sur mon GPS. A priori, ce sera vers minuit. C'est bon. A priori, ce sera vers minuit. Ok, bah vas-y, on se voit tout à l'heure, on fait ça. Sans le chef, vas-y, je te lâche ou je te dépose quelque part? Ah non, tu peux me déposer. Tu peux me déposer au parc central. T'as les dégoûts, fils de pute. Très original comme route. T'as vu ce long tunnel? T'as un long toit là. Ferme ta gueule, fils de pute. Fils de pute, fils de pute. Alors que le daron c'est l'ancien. Les gars, tout à l'heure on va Tout à l'heure on va brasser au ma. Ouais, bah, allez, j'ai des gosses, on se pète. Vas-y. Fils de pute. Eh, pieds nu, viens, zouk, viens, zouk, pieds nu, viens, zouk. Pieds nu, viens, zouk. Oh, attends. Je sais pas si t'as acquis cette voiture, mais j'en ai besoin. Ils me suivent là où je suis fou. La vie de ma mère, ils me suivent. Oh! Mais qu'est-ce que vous faites? C'est bon, je dois te dire un truc. Dis-moi. Putain, la merde, fils de pute, c'est pas conduire, yo. Tu dois me dire quoi là? Ouais, juste, sois prudent pour ton ami, ok? Vas-y, je suis prudent, vas-y, mon pote, vas-y. Alors lui, attendez hein. Merde, putain, je sais pas conduire ou quoi. Ah
Ah, t'es sorti des flammes, c'est bizarre, comment t'as fait? Ah, c'est étrange. Putain, t'es fort, hein? Bon, mon pote, j'ai un truc à faire, je te reparle, vas-y. Vas-y. Je suis mort, sa mère.